suis Philippe Pelgas, donc le responsable du service d'activité subaquatique de notre établissement, et je vais vous présenter donc une possibilité que nous avions entrevue à la vue de ces journées, d'apporter une réponse par l'étude au pillage du patrimoine subaquatique. Alors, je vous présenterai tout d'abord l'Institut national de recherche archéologique préventive, son service subaquatique. Alors, l'INRAP est un institut de recherche archéologique créé par la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. Il a été créé sous la forme donc d'un établissement public caractère administratif de recherche. C'est un établissement qui est placé sous la double tutelle des ministères de la Culture et des ministères de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Il a fallu attendre une dizaine d'années pour que nous puissions créer et développer un service des activités subaquatiques afin de répondre aux travaux d'aménagement du territoire qui s'étendait bien sûr aussi aux cours d'eau et dans les ports et sur le domaine public maritime. Il a pu voir le jour par la volonté d'une synergie entre le ministère de la Culture, de l'INRAP, des discussions avec le directeur du DRASM, Michel Lourd, et grâce à leur énergie, nous avons pu développer ce service en répondant aux prescriptions de diagnostic et de fouilles que l'État, le ministère de la Culture, élabore. Les missions de l'INRAP sont donc de diagnostiquer, c'est-à-dire de repérer des sites en danger, de fouiller ces sites en danger, mais c'est également d'assurer l'exploitation scientifique des données, diffuser les résultats de cette exploitation, avoir la possibilité de s'associer, ce qu'avait prévu le législateur, d'associer donc l'INRAP à d'autres personnes morales dotées de services de recherche archéologique. Alors, le financement, de l'INRAP repose sur deux modalités. Tout d'abord, lorsque l'INRAP intervient dans un contexte de diagnostic archéologique prescrit par l'État, il est rémunéré sous la forme d'une redevance d'archéologie, un impôt, et lorsqu'il intervient pour des fouilles archéologiques, il est rémunéré par l'aménageur qui lui verse directement sur devis donc, la rémunération du coût de l'opération de fouille. Donc ça peut être une réalisation des fouilles soit par l'opérateur INRAP ou d'autres opérateurs qui auraient été agréés par l'État. L'effectif de l'INRAP au 31 décembre de l'année précédente, l'INRAP comptabilisait un peu plus de 2100 personnes physiques et à peu près 1500 archéologues qui intervenaient donc sur le terrain. Mais pour vous donner une idée, c'est que le service des activités subaquatiques qui a été créé donc il y a 5 ans, lui n'est composé que de 19 agents plongeurs répartis uniformément sur tout le territoire national et dans les départements et régions d'outre-mer, et seulement avec à sa tête de 3 personnes pour pouvoir gérer les demandes de l'État pour intervenir sur les diagnostics et sur les fouilles. Le champ d'intervention de l'INRAP, l'INRAP œuvre pour l'ensemble du territoire métropolitain, les départements et régions d'outre-mer, donc à terre et sous les eaux. Et son rôle est donc d'assurer la détection, la conservation, la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine menacé. Et ses équipes interviennent pour toutes les périodes chronologiques de la préhistoire à nos jours. Alors, les types d'aménagements rencontrés sont variés. Ce sont des projets d'aménagement aussi bien venant de privés ou de publics. Et il peut s'agir aussi bien d'une maison individuelle pour un privé que de travaux de grande ampleur sur des travaux autoroutiers ou des travaux préalables, des diagnostics préalables aux travaux de lignes grande vitesse pour les trains. Mais sur le domaine maritime, on peut avoir affaire donc à des parcs éoliens,
à des réseaux de transport électrique, à des extensions de travaux portuaires. Alors, il est vrai que depuis 20 ans, puisqu'on a une expérience beaucoup plus grande en terrestre, les pillages, même s'ils ont lieu, sont rendus tout de même plus difficiles par la présence des archéologues sur le terrain et une sensibilisation, comme nous le verrons un peu plus loin, des aménageurs et notamment des aménageurs publics. Quelques chiffres clés. L'an dernier, nous avons réalisé plus de 1650 diagnostics totaux. Et les trois diagnostics seulement réalisés sur la domaine maritime montrent que la part encore insuffisante de notre intervention dans ce domaine, pour des questions principalement de moyens. Les diagnostics réalisés l'an dernier ont totalisé un peu plus de 500 jours de travail sur 67 000 journées de travail donc en diagnostic. Et pour les fouilles, nous n'avons pas réalisé de fouilles l'an dernier, mais nous avons pu aussi réaliser une prestation d'études pour le DRASM, sur une intervention sur une photogrammétrie en grande profondeur. Et au niveau international, nous avons travaillé en collaboration avec une université pour une intervention en Amérique du Sud, en Bolivie. L'activité, les types d'aménagements rencontrés, eh bien, l'activité LINRAP est assez partagée entre les équipes. Tout au long de l'année, vont réaliser à peu près 50% de leur temps sur des fouilles et 49% va être consacré au diagnostic. Pour le subaquatique, l'activité principalement celle pour le service subaquatique, son activité est principalement tournée vers les diagnostics. Les types d'aménageurs sont. Excusez-moi, j'ai dû appuyer un peu trop vite. Les types d'aménageurs sont principalement des aménageurs publics. Nous le verrons un petit peu plus loin. L'organisation de l'INRAP, c'est un siège sur Paris avec une direction scientifique et technique à laquelle le service subaquatique est rattaché, des directions interrégionales avec 70 centres archéologiques dans lesquels les archéologues vont exploiter les données recueillies sur le terrain. Alors, les activités du service subaquatique sont depuis 2011 une intervention sur le domaine public maritime et des interventions dans les eaux intérieures. Voici quelques exemples d'interventions qui ont été assez marquantes pour nous. Donc, on a commencé par un diagnostic sur la route du littoral à l'île de la Réunion, qui a été en fait le déclencheur qui a permis de monter ce service. C'était un diagnostic un peu plus d'une centaine d'hectares. Ici, donc la première étape avait consisté en une étude documentaire, des levées géophysiques et ensuite une sélection d'anomalies qui avait été validée donc par les équipes du DRASM et puis ensuite un retour sur place pour diagnostiquer les anomalies sélectionnées. Ici, un diagnostic dans le cadre de travaux portuaires en Corse, dans le port de plaisance de Porto Vecchio, où il avait fallu réaliser une étude aux sondeurs de sédiments sur fond de bathymétrie réalisée à partir de sondeurs multifaisceaux. D'autres diagnostics réalisés dans le cadre d'aménagement portuaire, toujours en Corse. Des diagnostics préalables à l'exploitation de granulats marins, diagnostics en Manche, en Baie-de-Seine, où là, malheureusement, nous n'avons pas trouvé d'artefacts, beaucoup de traces de chalutage. Les fouilles peuvent être réalisées également à partir d'équipes mixtes, réalisées avec des équipes mixtes, donc des équipes terrestres de nos interrégions. Là, il s'agissait d'une fouille à la fois sur les rives du Rhône
et notre équipe intervenait le long des travaux de Palplanche que vous pouvez voir sur la photo. Depuis 2012, nous avons souhaité multiplier donc les collaborations, les conventions. Nous avons souhaité rejoindre rapidement le groupement d'intérêt scientifique qui permettait le groupement d'intérêt scientifique Histoire et Sciences de la Mer, qui permettait, par la réunion de l'adhésion d'universités et d'institutions, de permettre à nos chercheurs d'accéder aux publications, aux colloques et à l'information sur la recherche dans le domaine maritime. Nous avons également développé un partenariat avec le service hydrographique et océanographique de la Marine dans le cadre du partage de savoir-faire, notamment aussi pour conserver des données, les données géophysiques étant souvent pouvant poser des problèmes de conservation à long terme. C'était l'occasion aussi également pour nous de former des agents sur des protocoles de l'élaboration de protocoles d'acquisition de données géophysiques, mais également bénéficier de leur expertise sur ces différents domaines. Et puis bien sûr, j'évoquerai donc la collaboration toujours présente depuis 2011 avec le DRASM, puisque nous entretenons des relations régulières sur les dossiers que nous réalisons donc à leur demande. Il a été nécessaire également de se faire connaître auprès de nous apportons également donc une assistance aux directions interrégionales lorsqu'il s'agit donc aux directions interrégionales de l'établissement de l'INRAP lorsqu'il s'agit de répondre à des appels d'offres concernant des problématiques spécifiques d'archéologie navale. Et nous avons également répondu à des appels d'offres ou des demandes du DRASM pour intervenir auprès d'eux avec une partie de nos équipes pour travailler sur des parcs éoliens et sur des photogrammétries en eau profonde. Notre objectif est de faire connaître les possibilités d'intervention du service sur des projets d'aménagement pouvant être à la fois sur le domaine public maritime mais également sur le domaine terrestre cadastré. C'est de faire connaître également le service lors de manifestations importantes, notamment les assises des économies de la mer où sont présents les industriels. Il est vrai que de monter un service a nécessité de rassembler des compétences internes et de suivre des formations spécifiques à l'externe comme à l'interne d'ailleurs. Un volet important que nous avons développé est ce retour auprès du grand public pour les sensibiliser à la protection du patrimoine subaquatique. Il s'agit de posters qui avaient été réalisés lors des Journées nationales de l'archéologie l'an dernier. Il y a un retour également, évidemment, auprès de la communauté scientifique par la participation à des colloques et des publications. Et d'ailleurs, prochainement, un colloque qui est sous le patronage de l'UNESCO. Pour conclure, je dirais qu'on a en 5 ans, on s'est ouvert donc au domaine public maritime avec des opérations en constante augmentation, un déploiement en cours sur des opérations haute mer, une ouverture sur les eaux intérieures qui sont elles aussi fortement menacées lors des travaux les travaux d'aménagement et une redevance d'ailleurs sur le domaine maritime qui est attendue. Pour ce qui est des perspectives, nous souhaitons pouvoir répondre toujours plus et mieux aux prescriptions émises par le DRASM et les services régionaux de l'archéologie qui émettent les prescriptions donc en région et avec pour l'avenir, pour cette fin d'année et l'année prochaine, des projets importants de diagnostic sur des surfaces relativement conséquentes où par le passé, on a pu constater qu'effectivement, les aménageurs ne jouaient pas toujours le jeu et ne communiquaient pas toujours toutes les données et les informations. Ou parfois, on a même pu constater que certains sites avaient été peut-être pillés ou de façon négligente, les artefacts avaient disparu de l'emprise sur laquelle nous devions intervenir. En conclusion, je dirais que lorsque les projets d'aménagement
débouche sur des interventions d'archéologie préventive. Les études qui seront menées permettent d'apporter leur contribution à la connaissance de l'homme, quel que soit le milieu, l'époque et le contexte socio-économique. L'archéologie préventive n'a pas la prétention de tout résoudre, mais elle est une alternative qui fait ses preuves depuis plus de 30 ans en terrestre et qui peut les faire en subaquatique, dans une moindre mesure, mais c'est ce à quoi elle s'emploie depuis quelques années. C'est aussi un travail pédagogique envers tous les publics, aussi bien de proximité et surtout des scolaires, pour sensibiliser dès le plus jeune âge à la protection du patrimoine subaquatique. Je dirais que l'archéologie est une alternative, un outil pour la protection du patrimoine. Il se trouve que l'an dernier, les activités NINRAP ont touché près de 600 000 personnes et également 510 communes, 510 villes. Ce site intervient sur le site internet de l'INRAP. Nous avons pu même attirer près de 90 000 visiteurs par mois, ce qui ne s'était jamais vu. L'archéologie est donc un outil, l'archéologie préventive est donc un véritable outil pour la protection du patrimoine, même si elle ne peut pas prétendre tout résoudre. Je vous remercie.